Eh bien, salut tout le monde, la compagnie YouTube, c'est Jordan Constantin et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je voulais vous parler d'un garçon qui m'a cherché au collège. Alors, c'est juste pas, je me raconte pas ma vie, hein. C'est juste que pour que vous vous en pensez. De quoi vous en pensez, blablabla. Voilà, de quoi vous en pensez. Alors, un mec au collège, genre de pas un mec qui m'a cherché, hein, d'un autre en fait. Un mec dans les vestiaires des garçons au collège, il a commencé à jeter les papiers partout, dans les vestiaires. Et d'un coup, j'ai commencé à lui dire de pas jeter les cahiers partout et tout. Il a commencé à m'insulter, donc ce que je l'ai fait, j'ai ignoré une première fois. J'ai ignoré une deuxième fois, je lui ai dit que ça va mal finir sinon. La troisième fois, il m'a cherché, donc je l'ai fait sans coup pas. Et puis il a dit qu'il va dire à sa mère, comme si lui il en avait rien à foutre quoi. Genre je donne un poum, le mec poum. Alors si je bouge la tête trop doucement, c'est parce que j'ai une entorse au cou là, parce que la dernière fois je me misais sur ça et j'arrêtais pas de le faire et ça fait vraiment mal. Bon, donc je voulais dire que les gens qui, juste je préviens les gens, hein, je préviens les gens, hein. Les gens qui les gens, attendez, les gens qui s'amusent à jeter les papiers par terre, les cahiers des élèves. Je trouve que c'est que des faux culs en fait. Parce que eux, ils en ont rien à foutre quoi. Eux, ce qu'ils préfèrent, c'est emmerder les gens. Donc voilà quoi. Donc c'est vraiment un peu très saoulant. Bon voilà. Voilà, donc c'est un peu trop saoulant. Genre les mecs, ce qu'ils pensent à faire, c'est d'emmerder les gens. Vous voyez, genre d'emmerder les gens. Genre leur dire ah oh, t'es nul, patati patati patata, t'es nul, nanana. Ça je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Je trouve que c'est un manque de respect. Ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit. Genre les gars ils pensent ça. Excusez-moi. Les gars ils pensent qu'à frapper les gens. Genre qu'ils en ont rien à foutre quoi. Donc c'est vraiment que des faux culs pour moi. Pour moi c'est vraiment des méchancetés, mais vous pouvez pas savoir. C'est vraiment des méchancetés. Genre les mecs ils en ont rien à foutre quoi. Genre ils préfèrent faire chier le monde, mais voilà, genre sans respect. Mais sans respect, je vous dis sans respect. Bah attends, vous voyez les gens dire viennent et qui jettent votre sac par terre, qui mettent les cahiers dans la douche et tout. Ça j'appelle de l'harcèlement. Ça c'est vraiment de l'harcèlement. Alors je vous explique trois termes d'harcèlement. Alors l'harcèlement, c'est de l'insulter. Deuxièmement, c'est de jeter les cahiers partout dans les vestiaires et tout. Troisièmement, c'est de les taper. Et ces trois termes, ça vient du terme harcèlement. Donc, voilà, je trouve que ceux qui veulent les harceler les gens, moi, je trouve que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment pas. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et surtout que c'est vraiment un manque de respect. Bon, désolé, je dis manque de respect deux ou trois fois, mais voilà. Mais ils ont vraiment pas le droit de faire ça, c'est genre ils sont gratuits, genre c'est gratuit, c'est pas voilà.
Genre, ils doivent se dire dans leur tête, ah, c'est gratuit, on va pouvoir le taper tranquillement, comme ça, pour le plaisir, quoi. Les mecs, ils tapent pour le plaisir, genre, non, mais allô, vous croyez, ils se croivent où? Ils se croivent où? Ils se croivent chez mémé? Non, mais je trouve que je crois qu'ils se croivent chez mémé. Ils se croivent, ils sont tout permis. Ah, pour emmerder les gens, là, ils sont forts, mais voilà. Mais bon, ben voilà, donc je quitte cette vidéo-là parce que j'en ai marre. Non, je rigole. Je quitte cette vidéo-là. Et avant, je vais vous faire une blague. Alors, c'est parti pour la blague. Qu'est-ce qu'un carré pourrait bien dire un triangle? Attendez, je vous fais une blague. Quel est le plat préféré des cannibales? Une croque, monsieur! Non, je rigole. Bon, ben, je vous laisse et on se retrouve. Putain. Je vous laisse. Je vous laisse pour une prochaine. Je m'estouffe. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis bye bye. Je vous dis bye bye. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est-à-dire demain. Demain vers 13h, je commencerai la vidéo. Et voilà, donc c'est tout pour la nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et que vous avez bien aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Et mettez un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Bye bye les gens. Peace!